Si le Real de Madrid ne recrute pas un neuf de qualité, je les vois passer une saison blanche. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real de Madrid, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est pas, on est parti. Alors les gars, le Real de Madrid a pris 3-0 contre le Barça. Et beaucoup vont dire que non, c'était le match amical. Il n'y a pas de match amical lorsqu'il s'agit d'un classico, les gars. Vous avez vu le match? Vous avez vu le match? Il y avait de l'intensité, du rythme, etc. Donc, on a cruellement vu que le Real avait besoin d'un avant-centre de qualité. Karim Benzema est parti en Arabie Saoudite. Il faut absolument le remplacer. Kalanchuchi nous dit en conférence de presse que le mercato est terminé. Mais moi, je vois cette phrase pour ne pas avoir de pression. Parce que s'il dit qu'on a besoin d'un neuf de qualité, un neuf en urgence, les clubs vont augmenter les enchères. Les clubs vont augmenter les enchères sur les neufs. Je pense notamment à Kylian Mbappé, je pense à Harry Kane. Si on sait que le Real est dans l'urgence d'avoir un neuf, le Real est cuit. Et pour donc baisser la pression, le Real dit en conférence de presse qu'ils n'ont pas besoin d'un avant-centre. Qu'ils n'ont pas besoin d'un avant-centre. Pour moi, c'est du bullshit, les gars. C'est du bullshit. Le Real a cruellement besoin d'un avant-centre. Cruellement. C'est une urgence. C'est une urgence, les gars. Pour moi, s'il n'y a pas d'avant-centre, le Real passe une saison blanche. Le Real passe une saison blanche. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu vois le Real de Madrid passer une saison blanche sans avant-centre? Dis-moi tout en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.